Coucou à tous, c'est Crime. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois en live pour une petite partie de Don't Starve. Donc, on va essayer de pas mourir ce coup-ci, parce que je rappelle que la dernière fois, j'étais morte à cause d'un misclic, parce que j'ai eu le malheur de cliquer sur un gros animal pas très gentil qui, du coup, m'a coursé et m'a tué. Fort heureusement, j'avais utilisé un... Enfin, je m'étais mis un reste quelque part, donc je suis revenue, mais voilà, sans mes affaires, sans rien. Donc on va aller récupérer les affaires et continuer à se préparer parce qu'on est au jour 12 et que l'hiver arrive à très grands pas. Donc on va essayer de faire ça le mieux possible. Allez, on y va. Alors, donc on est au jour 12, c'est parti. Voilà, ça charge. Donc voilà, comme vous voyez, je suis revenue à l'endroit. Je sais pas si on voit sur la map l'endroit où je suis morte. De toute façon, je crois que j'étais dans mon camp. Hein, donc, j'étais par là. Voilà, tout est là. Bon, ben, on va retourner à mon camp qui est là. On va aller récupérer toutes mes affaires. Et puis, on va essayer de faire ça mieux. Alors, attendez, je vous demande une seconde. Je vais juste baisser le son du jeu, parce que je trouve que... Ah oui, c'est l'ambiance qu'il faut que je baisse. Voilà. Je suis désolée aussi si, au niveau de la caméra, l'image n'est pas terrible, parce qu'en fait, j'ai une lampe, normalement, pour éclairer. Et cette lampe vient de me lâcher, donc j'ai bricolé un petit truc avec une pauvre lampe de chevet. Mais du coup, la lumière est moins bonne, et du coup, ça joue sur le fond vert, et voilà. Donc, désolée. Allez, on va essayer d'aller au camp pour récupérer, on va en profiter hein, puisqu'on est là, pour récupérer un petit peu toutes mes affaires et puis tâcher de se préparer. Allez, hop, on est parti, on prend le chemin, ça ira plus vite. C'est quand même dommage d'arriver à survivre au chien et de mourir par un animal qui normalement à cette période-là n'est pas agressif mais qu'on a eu le malheur d'attaquer dans un geste comment dire, un peu suicidaire, n'est-ce pas? Bon, allez, avec le chemin ça va beaucoup plus vite. Hop. Donc là normalement, voilà, c'est ça. C'est le buffalo qui m'a fait mal tout à l'heure. Bon, alors j'avais pris le petit chemin et j'étais partie mourir en bas du chemin normalement. Voilà, mon camp est par là. Il est où mon camp? Il est là, magnifique. Donc on va aller... Oh, il y a plein de lapins à récupérer. J'arrive mes petits, j'arrive. Voilà. Bon, reste toutes mes affaires. Et par contre, moi je veux pas utiliser. Voilà, la lance. On va se la garder. Voilà. Allez, on va aller chercher les lapins qu'on a laissés là-haut. Il faudrait que je mange un peu, je crois. Je vais aller me faire à manger. Parce que je commence à avoir des bestioles là sur le côté. Ça là, c'est pas normal de voir ces machins là. Voilà. Hop, il y a plein de lapins, c'est magnifique. Oh, c'est un peu loin ça. Allez, bon, on verra bien. Et ici. Il n'y a plus de piège, il est mort, ok. Donc on va aller se faire à manger. J'ai vu qu'il y avait des baies là-haut. Alors, on va aller faire un feu. On va peut-être manger là les trucs qui sont un peu périmés. Oh, c'est périmé déjà. Off. Ouais. Allez, on va jeter. C'est mieux. On va se faire bouffer par les bestioles. Et ça, c'est comment? Viande de monstre.
Voilà, si on la fait cuire, c'est un peu meilleur, non? C'est pas terrible ça, on perdra pas mal de points quand même. Non, j'en veux pas. On va se faire un vrai repas, ce sera mieux. Donc, on va tuer le lapin. Il est où le lapin? Lapin. Hache, pomme de pin, graines, morceaux de viande. Hop. Les baies. Pourquoi j'en ai que deux des baies? Attends, on va aller chercher des baies. Un champ de baies, c'est bien pour quelque chose. Hop, allez, cook. On va se remettre un peu en forme là parce que tous les indicateurs sont pas terribles. Voilà. Allez, commence à faire nuit. On va attendre qu'il fasse vraiment nuit. Allez, manger. Ah, déjà ça va mieux. On va recommencer un petit coup. Alors. Hop, tuer. De là. Ah oui, j'ai toujours pas de baies. Non, mais je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Alors, il y a les baies. 1, 2 et 3. On surveille que la nuit tombe pas trop rapidement. Voilà. Hop, hop, et hop. Manger. Enfin, cuisiner du moins. Alors. On va bientôt faire du feu. Il commence à faire nuit. On va essayer de remonter un petit peu tout ça. Hop. Voilà. Bon bah c'est pas mal. Il n'y a que la santé qui est pas terrible, hein, mais bah, j'ai envie de dire on fait ce qu'on peut. J'ai plus de couronne de fleurs moi. Non, j'ai plus de couronne de fleurs. Les lapins, les buissons. Ah, on va planter des buissons. La roche, la pioche, la pépite d'or, la bûche vivante, pomme de pin, graines, on va planter les graines. Allez, planter. Voilà. Charbon, hein, herbe coupée. Non, j'ai plus de. On va se rapprocher du feu. Et on va remettre une petite bûche. Allez, on met une bûche. Voilà. Tiens, on va faire cuire une aubergine. Magnifique. Voilà, ça remonte un petit peu la santé, tout ça. Il faut absolument qu'on trouve des fleurs pour se refaire une petite couronne pour monter la santé mentale aussi, là, parce que c'est un peu bas tout ça. Et bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Eh, coucou Ange. Bienvenue par ici. Il y a des gens pas terribles, mais ça je pense que c'est à cause de ma santé mentale. Comme elle est qu'à la moitié, je vois des choses qui n'existent que dans ma tête. Allez, il va bientôt faire jour. Voilà. Qu'est-ce qu'on va aller faire? Ah oui, on va aller chercher des fleurs, j'ai dit. Il doit y en avoir par là-bas des fleurs. Oh, il y a encore des bestioles bizarres là qui me. Il y a des machins bizarres qui me regardent. Bon allez. Hop, on va ramasser. Oh non! Mais j'ai pas fait exprès! Ne me tue pas! Non! Ah non, je l'ai pas touché, il est en chaleur en fait. Putain, j'ai cru que j'avais encore cliqué dessus.
Donc en fait, comme il a le derrière rouge, ça veut dire qu'il est en chaleur. Donc si je m'approche de lui, il m'attaque. Ah, j'ai cru que j'avais encore fait une bêtise, dis donc. Mais non, c'est pas moi, j'ai pas fait ma blonde, il est juste en chaleur, donc on va aller juste chercher des fleurs de l'autre côté. Voilà. Oui, c'est ça. Julien, faut que je... Oh putain, ils sont tous en chaleur. Laissez-moi tranquille, bordel. Putain. Oh là là. C'est horrible. Bon, ça y est, on a évité la zone dangereuse. Maintenant, on cherche des fleurs. Pour essayer de remonter notre... Ah, voilà, plein de fleurs. Magnifique. Allez. Ouais, non, mais on dirait pas, mais c'est agressif, hein, les buffalos en chaleur. Hein. C'est... Ils vont faire des petits, c'est bien. Il y en aura encore plus qui vont pouvoir bien me défendre. Mais en attendant, dès que je leur passe à côté, c'est bonjour l'angoisse, quoi. Ils sont un peu agressifs. Marc, faudrait que j'aille voir si je peux pas les faire attaquer un... Bon, c'est dangereux comme truc, je vais pas me lancer. Mais... Je peux leur faire attaquer s'il y a des araignées quand ils sont en chaleur. Je les amène près du camp d'araignées et ils attaquent. Et il me semble qu'il y avait un camp d'araignées au-dessus de mon camp. Voilà, déjà, on va se faire le chapeau. Magnifique. Voilà, notre santé mentale va remonter en flèche. Bon, maintenant que c'est fait, je vais aller voir cette histoire. Je crois que... Ouh là là. Ouh, ça fait peur. Je crois que par là, j'avais vu des araignées. Non, j'ai peut-être rêvé. Il y a des lapins. Des lapins, des lapins, des lapins. Lapins, des araignées. Ah, les voilà, les araignées. Bougez pas, je vous ramène des copains. Alors... Les copains! Bon, c'est dangereux quand même, hein? Je sais pas si c'est une bonne idée. Écoute, on va tenter. Allez, on est des fous. De toute façon, si je meurs, je meurs. C'est pas grave. Ils sont où? Ah, et voilà. Allez, viens, les copains. Non? Viens? Allez, viens, viens. Il court vite, ce con, il court vite! Allez, et il s'arrête. Allez, ça va être pratique. Coucou! Non, il veut pas. C'est pas possible. Allez, allez, allez. Bon, bah, je crois que c'est mort. Hein. Allez! Non, mais c'est pas possible. Alors, l'autre nuit, il m'a poursuivi sur 12 km. Il est venu me tuer. Et là, il veut pas faire les 4 mètres qui le séparent des araignées, quoi. Non mais oh! Allez! Allez, allez, allez! Non, bah je crois que c'est mort. J'avais réussi dans une autre partie, mais... Pas que je m'éloigne trop, en fait. Faut surtout pas que je clique dessus. Parce que sinon... Allez, on y est presque. Ouh ! Non, bon, on va arrêter. C'est pas grave. C'est pas grave, tant pis. Non, les lapins ne sont pas en chaleur, par contre. Avec les lapins, je ne crains rien. Non, par contre, je vais arrêter de chasser le buffalo, là, parce que je vais mourir, en fait. Donc, je vais aller manger. Hein ? Parce que ça va pas du tout, là. Voilà. On va aller se faire 3-4 lapins, vous allez voir. Ouais, ramasser toutes les baies qu'on trouve. Voilà. Magnifique. Allez, on va chercher des lapins. Oh putain, il y en a un dans mon camp. Alors là, je suis pas bien. Ouh là, je suis pas bien. S'il se barre pas, elle va. Oh là 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 là. Oh là là, puis s'il me touche, là, je vais décéder sur place. Ah bah là, je suis mal. Il me voit pas, il me voit pas. Tu me vois, tu me vois pas. Tu me vois pas, tu me vois.
On va dire qu'il ne me voit pas. Hein. On s'éloigne. Mais il est près de mon feu quand même. Comment je vais faire? Il est juste à côté du feu. Putain. Mais laisse Chester tranquille, il t'a rien fait. Voilà, on s'éloigne. Hop, manger. Il me voit pas. Ah, tu me vois pas. Non, tu me vois pas. Hop, on va replacer ça. Faut que je fasse un autre feu parce que de toute façon je pourrais pas m'approcher du mien. Donc tant pis. Ah oh, putain, j'ai pas de bûche. Bon écoutez, pendant qu'il est sur Chester, on va quand même s'allumer un petit feu là. Oh putain. Voilà, génial, casse-toi. Oh putain, ça il en a après moi. Allez, va-t'en là. Allez. C'est bien, mon petit. Pff. Eh ben, c'est pas gagné cette histoire. Hein. S'il revient, je suis mort. Hein. On va manger. Manger, c'est le bien. Voilà, ça rend un peu de vie. Mais. Oui, Ange, tu as bien fait de passer, on rigole bien par ici. Hein. Je suis pas en galère du tout avec mon buffalo. Oh là, il dort. Donc il dort, ça va. Il a défoncé Chester ou pas? Non, ça va, Chester va bien. J'ai pas beaucoup de points de vie. Je crois que je peux fabriquer... Bah, c'est dur de m'approcher de mes machines avec... Je crois que je peux fabriquer des pansements. Piège oiseau, bouffole, sac à dos, sac en peau de cochon, baume soignant. Ah oh ouais, non, mais ça, j'ai pas tout ça, moi. Cataplasme au miel. Une tente, une couchette en fourrure. Une... Ouais! Mais laisse-moi! Mais rentre chez toi! Oh là là, c'est pas possible. Ah bah, j'ai ramassé les trucs, j'ai pas pris les. J'ai pas remis les. Je suis parmi les pièges. Oh là là, putain, il est chiant squatté là, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, on va aller chercher des bûches, de toute façon, j'ai plus de bûches. Attendez, j'ai une forêt par là, non? J'avais planté... Ah bah voilà, j'avais planté une forêt, dis donc. C'est beau. Elle est où ma... Non, ça c'est ma pioche. J'ai pas un piège. Ah voilà. Une hache. Allez, va abattre. Allez. Non, c'est pas gagné. Hein. Je vous dis, dans le live d'avant, je suis morte lamentablement sur un buffalo sur lequel j'ai malencontreusement cliqué. Tu veux pas abattre l'arbre? Allez. Voilà. Voilà, super. On va peut-être abattre les grands arbres, ce sera mieux. On va retourner voir quand même si je peux pas... Faudrait que le buffalo s'en aille, là. Que je puisse voir si j'ai pas moyen de me crafter des pansements ou quelque chose, quoi, parce que... Il est toujours là ou pas? Ah, ça y est, il est barré un peu. Mais il revient, mais c'est pas possible! Alors, c'était tout à la fin. Alors, pierre chauffante, non, je m'en fiche pour l'instant. Fil insecte, parapluie, tente. Couchette en fourrure, natte de paille, cataplasme, baume soignant. Ah, mais j'ai pas tout ça, moi. Sac en peau de cochon, bien sûr. Sac à dos, boussole, piège à oiseaux. Non, bah, je veux pas de. Non, il va falloir que je mange. Donc, pour manger,
planter des graines dans mon petit jardinet qu'on va généreusement fertiliser de bouse. Voilà. Ouais, une carotte. Wouhou ! Bonne ambiance. Allez, planter. Allez chercher des bouses. Ah, des lapins. Lapins. Hop. Heureusement que mes amis les lapins sont là, je vous le dis. Parce que sinon... Ouais, il est pas mal ce jeu. Il est assez un peu stressant parce que t'as toujours l'impression que tu vas crever et souvent tu crèves. Hein, parce que t'as pas le droit à l'erreur, sauf quand t'as eu la chance de trouver un endroit qui te permet de raise. Mais ça, je suis pas sûre d'avoir la chance une nouvelle fois. Voilà, qu'est-ce que je pourrais aller chercher? Des bouses, je veux des bouses. On va aller chercher chez nos copains là, pas trop près. Voilà. Oui, c'est bon, t'inquiète, j'approche pas, c'était petit. On va manger pour essayer de récupérer nos points de vie, parce que là, s'il y a un buffalo qui éternue à côté de moi, je suis morte. Hein. Voilà. Bon. C'est pas mal déjà. Allez. On va rentrer au camp. Oh là 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 là. Ils sont méchants les buffalo, ils sont méchants. Ah bah c'est la bouse. Puis ils veulent même pas m'aider à tuer des araignées. Non mais je suis blasée là. Puis alors avec mes 18 points de vie, je vais pas tenter ma chance, hein, je vous le dis. Allez, on va mettre de la bouse là-dessus. Voilà. Magnifique. Que j'ai chopé une aubergine, super. Allez, hop, hop, elle est où ma bouse encore? J'ai plus de bouse. Ah, si, j'ai de la bouse. Voilà, et là, qu'est-ce que j'ai chopé? Du maïs, super. Allez, on va faire à manger. J'ai des lapins, non? On va déjà faire ça plutôt. Allez, on va se faire cuire les fruits et les légumes. Ah, c'est bon ça pour la santé. Bon, bon la 3, c'était meilleur l'aubergine. Bon, 3, c'est pas terrible. Ensuite, je peux pas faire beaucoup de lapins parce que j'ai pas beaucoup de baies. Donc, bah tant pis. Ah non, faut que je le tue d'abord, c'est mieux. Excusez-moi. Ma voix est morte aussi, je crois. Allez hop, cuisiner. Oui, alors j'ai vu que je pouvais faire des pièges à oiseaux, mais il me faut de la toile d'araignée. Et là, à l'heure actuelle, honnêtement... je suis pas sûre de résister si j'attaque les araignées. J'ai essayé d'amener le buffalo tout à l'heure dessus pour qu'il le tue à ma place. Mais il n'était pas très coopératif. Donc, je suis repartie sans mes toiles d'araignée. Mais après, bon, les lapins me nourrissent très bien pour l'instant. Donc, on va pas s'enquiquiner. J'aimerais juste faire remonter ma vie un petit peu. Mais bon, ça, je pense que ça va être en mangeant. Allez, les nuits sont courtes, mais l'hiver arrive. Oui, oui, on va mettre quelque chose dans le feu, ne t'inquiète pas. Une bûche, tiens. Hop, fertiliser. Faut aussi que je me fabrique une pierre chauffante, justement pour l'hiver, parce que, si, parce que vu que j'ai plus de barbe, hein, vu que je suis morte en route, je vais vraiment... Je peux utiliser les mêmes pièges pour les araignées que ceux à lapin. C'est-à-dire que je peux mettre un piège à lapin vers les araignées et ça va me choper des araignées. C'est pas bête.
Ah bah écoute, on va essayer alors. En général, les araignées, ça me réussit pas, hein, mais... Je vais tenter ma chance. Qu'est-ce qu'il me faut? Des brindilles. J'en ai plein en bas. Allez, on va chercher des brindilles. On va mettre des pièges de partout. Ils sont par là, mes brindilles. Voilà, petit. On va en faire plusieurs, hein, parce que moi, j'ai pas envie de mourir. Voilà. Ouais, t'inquiète, t'occupes. Ramasse les brindilles. Voilà. Après, j'ai ce qu'il faut par là-bas aussi. Voilà. Hop. On va essayer d'en faire un troisième. Ça peut être pas mal d'avoir trois pièges. Mais non, j'ai pas peur du tout. En fait, si. J'ai peur de mourir. Voilà. Survie. Hop. Et hop. Allez, on est parti. Ah, et encore, tu les as pas vues, celles-là sont flippantes. Hein. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Non, on s'approche pas de ça. Hein. On fait ce pas-là. Alors. Eh ben, si vous êtes toujours enragé, là. Ah bah non, vous êtes plus enragé. Bah si, vous êtes enragé. Alors, attends, regarde. Vas-y, attaque les araignées. Vas-y, attaque. Attaque. Ah, pas les lapins! Il est con celui-là. Putain, c'est pas possible. Bon, on peut pas compter sur lui de toute façon. Donc, on va essayer. Ah, il y a plein de pièges. Voilà. Et pourquoi t'es pas. Ah, bien! Merci pour l'astuce! Bien. Et donc là, je peux les ramasser? Oh, c'est beau! Oh, merci! Trop bien! Ah, bah écoute, on va recommencer. Ah, c'est cool ça. Bah écoute, merci beaucoup pour l'astuce parce que je savais pas. Et ça va bien me changer la vie. Je vais aller toutes les chercher puisque le buffalo me sert à rien. Et je vais pouvoir les récupérer. Allez, venez. Allez les filles. Ah putain, ça a pas marché. Ah! Voilà, je vais retourner la chercher. On va mettre un de plus. Très bien. Allez, on y est presque. Il ne doit plus en avoir beaucoup quand même. Vérifier piège. Allez, vas-y, pose-le, ton piège. Voilà. Et l'autre. On va en mettre trois. Allez, venez les filles. Allez. Oh, c'est trop bien. Ah, le buffalo, il va me faire chier alors qu'il fait pas son taf. Non, mais il attaque les lapins. Qu'est-ce qu'on s'en fout des lapins? Allez, ici. Ah, ça y est, il s'est décidé d'attaquer l'araignée, quoi. Oh, bah. Magnifique. Merci, les gars. Maintenant, faut vous pousser. Oh, non! Eh ben, voilà. Je suis morte! C'était sympa, j'ai tenu 14 jours. Oh là 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 là. Voilà.
Le live a été très court, hein, parce que je suis morte. Donc, il faut que je recommence tout au début. Il faut que je me retrouve un camp. Enfin, voilà. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci pour l'astuce que je ne connaissais pas. Je le saurai, puis j'essaierai d'aller faire ça un jour où les buffalos sont pas en chaleur. Ça évitera de mourir comme une grosse merde. Je referai sûrement des lives sur Don't Starve parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et même si, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas très douée. Hein, parce que 14 jours, c'est pas exceptionnel. Il y a quand même des gens qui arrivent à tenir à 200 ou 300 jours. Moi, j'ai vu l'hiver une fois dans ma vie. D'ailleurs, c'est très joli parce que les petits lapins sont tout blancs et tout, mais voilà. Bon, bah écoutez, merci d'être venu, hein. C'était gentil, c'était court, mais voilà, ce sera pour une prochaine fois peut-être un live un peu plus long, si j'arrive à pas mourir comme je viens de faire. Bah écoutez, ouais, j'espère que ça vous a donné envie, parce que moi j'adore ce jeu, parce que vraiment, enfin il est simple, il est basique, quoi, c'est survivre... se faire à manger, se réchauffer, trouver de la nourriture, enfin les bases quoi. Voilà, bah écoutez, je vais couper le live. Merci à tous d'être venus et puis on se retrouve une prochaine fois pour un Don't Starve ou très certainement le prochain live sera sur les Sims puisque voilà l'extension sort demain, enfin l'extension le pack sort demain donc. Je vais préparer quelques petites vidéos et je ferai très certainement un live en let's play dessus, histoire d'aller découvrir les temples et tous leurs pièges avec mon beau brin ténébreux que j'ai présenté tout à l'heure sur Twitter. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite ici ou sur YouTube ou sur Twitter ou n'importe où. Voilà, gros bisous!